Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'informer à chaque fois une des choses ça. Pas oublier ou connecter réseau information. Hein? Nous c'est Sofia TV 83. Après département d'État fin, souke pays a dernière décision ça y prend. Cité non sénateur Cap Vanzam drogue utiliser influence yo gagné dans l'État pour financer gang causé a fait prendre la rue. Gagné plus. Cependant, dossier a poco fini, yo confirmé gagné 16 catégories dans l'État. Yo poco rivé sou yo, tant coup 15 oligates, 3 anciens présidents, 13 officiels dans le gouvernement Ariel. Pour le moment, gagné 3 sénateurs en fonction, ak 32 lotes encore, et puis commissaire la police, plus passé 8 leaders politiques qui en connivence soulissent les États-Unis à Canada pour ta révoquer visa yo, et puis kembe bien yo gagné dans le pays sa yo. Pour le moment, on suive plus de détails et précision qui permettent nous connaître ce qui a passé. Je ne j'en dis à Haïti humilié sous scène internationale. La, après l'issa yo fin soti, yon dal li de vole vicié et se moun ki représente ki ne van zam ak drog na kidnapping. Connecté ensemble avec chaque jour, information wap vini sou Chanel Paola et pa bliye se pigou réseau sou internet la. En matière d'information, c'est Sofia TV 83, gou réseau. Monsieur, nous même, mesdames, kap koute, bon di nou. Si nèg yo sérieux, yo vle aide nous. Yo konnen gen 16 catégories. Gen 15 oligarques. Gen 3 anciens présidents. Gen 13 officiels dans l'état qui Ariel a dirigé. Gen 3 sénateurs en fonction. Gen 17 anciens parlementaires. Gen 32 nèg ki nan CSPJ comme juge et commissaire gouvernement qui protège gang. Gen 4 commissaires dans la police là qui coordonner action criminelle fantôme 509. Gen 150 à 200 policiers qui nan gang. Il y a 8 leaders politiques, il y a 53 chefs de gang, 2 moun nan koude kont kap pore gang, 3 doazimen kap pore gang, 4 journalistes kap pore gang, 2 lobbyistes blancs nan Washington kap protéger gang, l'église gen 20 la dan, et puis blanc globaliste ak raciste corrompu gen 10. Yo pou comment moun sa yo? Ta ya passé nou nan bêtise mon cher. Et sou gade communiqué a bien pou sta nan fin communiqué a. J'ai ou pran sanction a. Ouais, do, c'est qu'on comme d'adou nan fin communiqué a ti pour nous et nous ka réévaluer en fonction de gens nèg yo collaborer ça veut dire que ou vin assurer que leader politique ça retourner rester avec vous. Pour faire sauve là avec yo en bas. Oui, mais c'est exactement oui, c'est là que nous même nous dit faut que bataille là continue. Faut que nous même pas ouais ça. So, nous même nous gain des demandes que nous même nous besoin c'est que nèg ça yo pas supposé et bien la figi moun encore gain des actions qui supposé poser contre yo parce que voilà ça qui est le Dimitri Vobla. Faut que nous voyons que monsieur Diabakod, c'est sous visa lié aux États-Unis. Faut que nous voyons que. Dimitri Vob, ni Jean-Marie Vob, t'es doué déjà sous sanction. Oui. Voilà. C'est pour ça que nous-mêmes. Nous avons des demandes tout pour nous-mêmes, pour nous demander. C'est la vérité que Canada, les États-Unis, oui, nous demandons des choses, mais il y a des gens que nous-mêmes nous besoin pour nous, c'est vrai. Mais, nous avons commencé. Bousta. Blanc kon lis nèg yo oui allez parce que c'est blanc qui t'a travail pour Nations Unies qui était responsable intelligence pour Nations Unies qui relé Max Kell c'est lui qui écrit livre qui relé zombie falsai dans livre ça que agent secret qui t'a fait intelligence pour Nations Unies en Haïti li bay tout oligarque qui nan gang oui men tout et puis nèg yo prend position par contre non yo nèg a passé nous dans bêtise mon cher non blanc a passé nous dans bêtise. Bon, dans le livre zombie faza gen non tout nèg yo men dou tout oligarque nan gang. Oui, mais faut que nous fayou appliquer, c'est ça m'dou. Pour ki sa nèg yo pou ko sanctionner 15 à 20 oligarque yo ki nan tête kay kat étage insécurité a. Pour ki sa protéger blanc ki nan insécurité a. Pour ki sa pou ko sanctionner. Donc moi même les nouè sanction ça au fait son poussière ke lié nan genou. Moi même pa gen nèg kap vin bas blanc kap vin bas nan bêtise. Souvle aider pays 15 à 20 oligarques qui mettent insécurité qui mettent à corruption dans le pays d'Haïti c'est au pour moyen ensemble à blanc qui a pour l'argent à l'étranger 20 40 50 millions par mois ba yo ou pour moyen yo blanc qui Canada qui des insécurité a ça qui a passé rien pour arriver là blanc aux États-Unis qui dans Washington qui des oligarques là qui fait ou pas ka manye vob, ou pas ka manye boulos, ou pas ka manye tout tek ki nan insécurité comme oligarque. Parrain pou ko manye.
Non, et pas une map. Si fait à pour comment. Mais il y a pas c'est nous dans bêtise. Nous un pays d'Haïti. Ça combat un pays d'Haïti, c'est bien peuple allié, aucun gouvernement de transition pas signer pour ça. Exactement. Et ça même lui dit tout, c'est pas de toute façon, c'est pas nous-mêmes qui décidons. C'est loi paysan qui dit pas un grand gouvernement la transition capable comme si pour une décision engagement ça. Engagement ça. Yo connais article 149 constitution très clair. Gouvernement de transition, il y a deux mandats constitutionnels. Gérer les affaires courantes et organiser les élections. Il n'y a pas prendre aucun engagement minier ou bien engager pays à aucun gros bagage. C'est le seul gouvernement constitutionnel qui a autorité ça. Et c'est pour ça que je répète, peuple, dans l'émission Bousta, yon di lot. Attendez, ouais, ça m'a dit là, yon di lot. Jusqu'à ce que nous-mêmes, peuple haïtien, nous finissons choisir dans l'élection président, nous, prochain président, nous, et nous finissons choisir prochain parlement, nous, pas quitter aucun blanc prend même un pelletin dans section communale et dans commune pays. Si un blanc est mal, il a laissé élever un pelletin dans pays pendant que pour qu'aucun gouvernement constitutionnel sans violence marie le remettre par la police. Automatique, mais aussi avec direction gouvernement départemental là, moi je crois que là vraiment belle pour nous capable remettre pays à sur le développement parce que gouvernement départemental là c'est vraiment pour arranger institution yo et mener pays à la direction. Après confirmer là encore pour auditeur yo, pas oublier à quoi yo pas retirer pays à côté lié à jamais. C'est tout des monde corrompu que blanc choisi pour le mettre dans tête l'état pour qu'il voler. Si nous voulons un gouvernement sérieux, choisi deux moun par département, un garçon, un femme. Dans mitan 20 moun sa yo, choisi premier ministre avec 18 ministres lan, ou ap gen un gouvernement interdépartemental qui représente 10 communes pays a, kap rétabli la sécurité, organiser les élections pour retourner pays a l'ordre constitutionnel. Ouais. C'est un gros match qui là, oui. Ya, yeah, Machabel. Machabel, c'est un gros match qui là. Et c'est grâce à Boustadion, Machab joué. Non, c'est un gros match qui là. C'est pas nous. Machab fini. Non, grâce à nous. Allez, peuple a campé dans la bataille là. C'est un gros match qui là. L'autre là, moi-même, auditeur n'a fait Lambert. Oui. Et n'a fait Yuria. Son poussière qui est envoyé dans le genou pour nous pas ouais. Yeah. Pour nous pas prendre un piège ça. Et bien, c'est expliqué auditeur là. Maintenant qui poussière au voyer dans genou pour nous pas voir clair. En fait, ce contexte là, on garde réalité là et puis pour nous décision qui prend et gens prend, est-ce qu'il aide nous vraiment? OK. Qui ça contexte là? Pays nous en gain quatre priorités journée aujourd'hui là. Numéro 1, joindre tout assassin qui touye président. Parce que si nous pas joindre au prochain président qui nous va choisir dans élection, il y a touye le même genre encore. Deuxième priorité, nous, c'est rétablir la sécurité, aller écraser tout gang yo. Depuis premier gang qui pipissant, qui c'est gang oligakyo, jusqu'à gang qui pipitia, si gang qui atteint. Yes. Deuxième priorité. Troisième priorité, c'est retourner pays à l'ordre constitutionnel à travers référendum et des élections. Et quatrième priorité, c'est résoudre question la vie chère, l'école, tout si l'autre bagay yo, choléra et la crise. Bon. Koulia, dans quatre priorités, ça a eu. Est-ce que la décision que nèg yo prend aide nous à avancer dans la bonne direction? La réponse est non. Et m'a expliqué qui ça. Lors d'un consacré, ou sanctionner Lambert, ou sanctionner Yuri. Et puis, il n'y a aucune procédure judiciaire qui accompagne sanction. Il n'y a pas de dire. Je m'explique aux auditeurs. Les Américains t'ont sanctionné Fourel Célestin, un président sénat, qui a été pris en cocaïne. Il a été jugé devant la justice. Il a été condamné. Il a fait en prison. Dans le cas, est-ce qu'il y a une décision judiciaire qui prend? La réponse est non. Il a dit que même si on a retiré visa. André Michel là pour tes américains qu'il te volé et puis elle fin touyer président ou bal dizal pour la loi madame ni ou ka fait même bagaille là dans de ça ou dans 30 jours gen doit même si on retire gen doit remettre l'encore tandis que laisse son procédure judiciaire accompagner il pas gen menti là-dedans. Donc décision qui prend son poussière danger. Si blanc américain veut aider nous tout bon, il doit faire exactement ça lui-même il fait. L'elle gen problème sécurité.
Les blancs américains ont des problèmes de sécurité avec terroristes qui commencent par la tête. Elle dit que si nèg t'a sanctionné tout bon, premier côté pour yoter commencer, c'est blanc américain et blanc canadien corrompu qui a financé instabilité et insécurité dans pays d'Haïti pour yo mettre transition, pour y aller joindre vieux contrat minier, pour y aller voler ça combattre pays d'Haïti. Blanc ça yo beaucoup sanctionné. Deuxième côté t'a commencé immédiatement, c'est oligat mi la Pétionville à peu près 15 à 20 là-dedans yo qui associé avec blanc ça yo. Pour qui ça ça pas fait? Parce que transfert de richesse là de moun pauvre à blanc élite globaliste corrompue et blanc raciste, le transfert de richesse a continué à partir d'oligarque. Comme gaz là toujours à monter, comme blackout là toujours à monter, comme la vie chère toujours à monter. Donc ça m'a dou là, ça fait là, il faut qu'on avance cause nous pour qu'on avance. OK. Canada entré dans le pays d'Haïti, nèg yo volé 4 milliards de dollars américains de bauxite dans Miraguad. Pays a même 100 millions là-dedans. Nèg yo kite une catastrophe environnementale dans Miraguad. Oui. Malgré yo volé 4 milliards de bauxite. 4 milliards de dollars américains de bauxite en bas de Miraguad. Oui. Nèg yo pas bâti aucun hôpital, yo pas mettre de l'eau potable, yo pas mettre courant, yo pas mettre route, yo pas quitter rien. Et puis c'est même vieux Canada ça oui. Oui. Que l'autre jour moi vidéo a circulé comment police a traité moun noir mal oui. Dans propre pays yo. Et puis c'est nèg ça yo les voyer soldats canadiens avec policiers canadiens qui a traité moun noir mal la caillou, yo vle voyer dans pays premier pays nèg du monde non mon cher. Jamais. Pas une intervention militaire comme ça nous besoin de. Nous pas besoin ça. Que des soldats racistes viennent débarquer dans pays nous. Non mon cher, qui va vle voir moun noir. Exactement. Mais M. Dubo, en moment, est-ce qu'on connaît que M. Dubo est vraiment frappé avec sortie Blanca directement qui dénonce en tant qu'Haïtien, ou se yon honte pour les Noirs, ou se yon honte pour Haïti? Mais, oui. Bon broche, nan parti ko pouvoir, pour moun pa bliye ça, non? Nan parti Canada ko pouvoir, gon branche là-dedans qui c'est haïtien canadien qui t'est proche qui t'est porte-parole Jean-Bertrand Aristide qui gagne position K en dedans comme nouveau canadien haïtien l'autre bois. OK. Regardez pour elle. Gagne trois là-dedans. C'est eux même qui a poussé pour intervention militaire l'autre bois. Donc faut nous garder bagage ça à deux près. Ouais, gagne trois en dedans dans gros position même. En dedans parti au pouvoir au Canada. Dans parlement. Donc bagaille il va comme ça. Heureusement que gain des haïtiens tant que nous-mêmes, tant que même Bousta, tant que Farah et Sarah pardon avec toute équipe diaspora qui mobilise l'autre voix qui a exprimé ça haïtien qui est dans majorité à qui a fait à tout bon oui. Et nous-mêmes nous pas dans intervention militaire dans pays nous-mêmes. Exactement. Si c'est pas de ça, il était qu'un faire soldat canadien débarquer là caille nous. Longtemps. Et c'est là qu'on a demandé force à manifestation. Bravo pour le travail que nous faisons. Bah, extraordinaire. Yes. L'autre bah, m'a dit sous bah, m'a dans 6 ans. Oui. Moi-même, c'est besoin d'une enquête. Moi-même, bah, les courriels. Moi-même, bah, dit, bah, possible, non, mais m'a dit, mais bon, enquête qui fait pour nous montrer nous, mais qui côté comme la sortie, mais qui côté le passé, des bagages comme ça. Même, j'en ai tout pays, il fait enquête. Oui. Donc, bon. Mais Stanley Lucas, Stanley. Je t'écoute. OK, ou parlez que t'as remis une enquête qui fait. Dans ce moment-là, qui enquête qui va le faire? À qui est-ce? Ah, mais c'est nos sociétés, malgré nous, il y a un problème qui est démocratique qui n'a pas été bâti. Donc, il y a des éléments nous qui rejoignent, qui permettent même nous-mêmes, journalistes, avancer plus loin à dossier. Moi-même, là, je dis 40 millions de dollars américains, je vous dis qui côté, qui genre. Faut me gagner des indices d'abord ouais ça me l'est doulant oui non moi oui que nèg a bloqué ou pas indice a pas à permettre nous joindre plus d'informations. Oui oui donc moi même semaine prochaine pour nous commencer chercher indice 40 millions de dollars ça qui côté qui gens ouais exactement donc et parce que quand même moi même d'ailleurs mais ouais bah ça parce que il y a bien à protéger mais bon gens pour nous faire.
Département Trésor États-Unis annoncé jeudi à sanctions contre sénateur haïtien Joseph Lambert et ex-sénateur Yuri La Tortue que la justice américaine accusait d'être que yo mêlé dans trafic drogue. Département Trésor dit États-Unis prend sanctions ça yo ensemble avec gouvernement Canada. Dans une note pour la presse, département Trésor a publié jeudi vendredi, li dit la première mesure sa yo contre Lambert ak la Tortue, peut-être yo te participé ou bien essayé participer dans activité ou soit transaction qui contribuait à ou bien qui posait gros risque pour prolifération internationale drogue ou bien production drogue. Lambert, c'est président Sénat haïtien hein, et l'a travaille dans le domaine politique là depuis 20 ans. La Tortue, c'est un ancien sénateur haïtien à un politicien de carrière. Sous-secrétaire Trésor pour terrorisme avec renseignement financier Brian E. Nelson dit Joseph Lambert et Yuri La Tortue abusé position officielle yo pour trafiquer drogue et yo collaboré à criminel avec réseau gang yo pour miner état de droit en Haïti. Li ajouté États-Unis et partenaire international nou yo pral continuer prend mesure contre tout monde qui facilite trafic drogue, soutirer corruption et puis chercher bénéficier de instabilité en Haïti. Notre presse l'a dit, Lambert a une connexion avec trafic drogue depuis 20 ans. Il dit, monsieur, t'es profité position pour faciliter trafic cocaïne, cap sorti Colombie pour aller en Haïti, et puis aider trafic en drogue, ça y est, chapé en bas main la justice. Note pour la presse l'a ajouté, Lambert continuait mépriser état de droit et il contribuait à déstabilisation Haïti. Par rapport à la Tortue, Département Trésor a dit monsieur connecté avec trafic drogue depuis longtemps. Li dit la Tortue t'est participé dans trafic cocaïne cap sorti Colombie pour entrer en Haïti et que li passé l'ordre by moon pour commettre zak violence pour li. Département Trésor a dit li t'est travail serré avec administration renforcement drogue là sous sanction sa yo. Sanction yo bloqué toute propriété ak intérêt de individus sa yo gagné aux États-Unis. Mais tout ça, toute propriété yo possédé soit directement ou bien indirectement, tout ça yo contrôlé à 50% ou bien plus passé ça bloqué tout. Sanction sa yo interdit moun aux États-Unis avec Américains faire business ou bien entrer dans confiolo avec deux moun sa yo. Mais tout ça, n'importe qui moun qui t'a entré dans transaction avec Lambert ak la Tortue, t'a capable faire face à sanction ou bien action la justice. N'importe qui institution étrangère financière qui facilite transaction, qui gagne importance ou bien qui dispose services financiers pour individu sa yo, pral faire face à sanction tout. Département Trésor a dit objectif sanction sa yo, c'est pas punition. Mais pour faire moun sa yo changer comportement yo pour le bien.